Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au cours des leçons suivantes, nous allons pratiquer l'utilisation du futur proche avec les verbes pronominaux. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons apprendre quelques mots et quelques expressions au sujet des cadeaux et de l'avant. Installez-vous confortablement et allons-y. Köszöntöm a kedves nézőket, lássunk is neki a tanulásnak. A következő néhány lecke során a közeljövő használatát fogjuk gyakorolni visszaható igék esetében. Ami a szókincset illeti, az ajándékozással és az adventtel kapcsolatban fogunk néhány szót és kifejezést megtanulni. D'abord voyons une femme et un homme à la terrasse d'un café. Ils parlent des cadeaux et des surprises de leurs enfants. Jean, dépêchons-nous. Les enfants vont se coucher tôt ce soir. Pourquoi? Demain c'est samedi. C'est vrai, mais ils vont se préparer à Noël. Est-ce qu'ils vont décorer la maison? Oui, ils vont ouvrir une fenêtre dans le calendrier de l'Avent. Et toi, est-ce que tu vas faire une couronne de l'Avent? Bien sûr, ensuite je vais emballer les cadeaux. Az iménti szituációban egy nőt és egy férfit láthattak, amint a hétvégi programjukról beszélgettek. Mindenkinek meg lesz a feladata, a most látható mondatban a házas pár gyermekeiről van szó, ezért többes szám harmadik szemében van ragozva az állé segédige. Készülődni fognak a karácsonyra. Ils vont se préparer à Noël. A most látható mondatban az ünnepi készülődés egyik fontos momentuma az ajándékok becsomagolása szerepel közeljövőben, egyes szám első szemében ragozva, mert a nő saját magáról beszél. Azután be fogom csomagolni az ajándékokat. Ensuite, je vais emballer les cadeaux. Maintenant, voyons une jeune fille et sa mère qui sont à la maison. Elles bavardent au sujet des fêtes de fin d'année. Julie, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Je vais rencontrer Audrey. Nous allons acheter des surprises et quelques décorations au marché de Noël. Et ce soir, est-ce que vous allez vous reposer? Oui, nous allons nous reposer car nous sommes fatigués. Moi, je vais me préparer à Noël et je vais emballer les cadeaux. Quand est-ce que nous allons les ouvrir? Nous allons ouvrir les cadeaux à Noël, comme toujours. Az iménti szituációban egy kamaszlány beszélgetett az édesanyjával a délutáni, illetve esti programjáról. A most látható kérdésben a se reposer, pihenni visszaható igét láthatják, többes szám második személyben ragozva, mert a lányról és a barátnőjéről van szó. Pihenni fogtok? Est-ce que vous allez vous reposer? A most látható mondatban a gyermekek által kedvelt pillanat az ajándékok kibontása kifejezés szerepel közeljövőben ragozva. Karácsonykor fogjuk kinyitni az ajándékokat. Nous allons ouvrir les cadeaux à Noël. Pour continuer, apprenez les mots et les expressions concernant les cadeaux et l'avant. Folytatásként tanulják meg Jean-Marie segítségével az előző párbeszédekben előfordult, az ajándékozással és az adventtel kapcsolatos szavakat és kifejezéseket. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Le marché de Noël. Le marché de Noël. Vin chaud, le vin chaud. Boire du vin chaud, boire du vin chaud. La surprise, la surprise. La châtaigne, la châtaigne. Manger des châtaignes grillées, manger des châtaignes grillées. Décorer la maison, décorer la maison. La décoration. La décoration. La couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Emballer le cadeau. Emballer le cadeau. Ouvrir le cadeau. Ouvrir le cadeau. Au cours de la leçon suivante, nous allons pratiquer les verbes pronominaux au futur proche. A következő órán gyakorolni fogjuk a visszaható igék használatát közeljövőben. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclic.ch.